Salut à tous et à toutes, c'est Mathieu 5, comment allez-vous? Ça tranquillement, pas de problème aujourd'hui, c'était hier. Donc les gars, on est de retour, enfin pour ma part je suis de retour sur Life is Strange pour la suite, comme je vous l'ai promis. Donc on est parti pour l'épisode 2, partie 1. Donc les gars, comme je vous ai dit dans la partie 4, je crois d'épisode 1 en commentaire, il y a des petits soucis pendant... Mais tout l'épisode 1, je dis allez, à plus tard pour l'épisode 5, l'épisode 6, je pense, des trucs comme ça. Donc, je vais éviter de faire cette erreur. Bref, on va pas en dire plus là-dessus. On est parti pour l'épisode 2. Donc, j'ai deux sauvegardes. J'ai une sauvegarde où j'ai fait, la partie 1, enfin l'épisode 1, avec vous, c'est la sauvegarde 1. Mais après, j'ai recommencé l'épisode 1 parce que j'étais pas satisfait de mes choix. Donc, je vais vous montrer mes choix. J'ai pas caché la vérité. J'ai dénoncé Nathan. Donc, je vais vous dire un peu tout ce que j'ai fait. Réconforter Victoria, je me rappelle plus si je l'avais fait dans l'ancienne partie, enfin dans l'ancien épisode pardon. Donc j'ai pris une photo de David cette fois, je n'ai pas intervenu pour aider Kate parce que j'ai fait aussi épisode 2 donc je connais un petit peu, c'est par rapport à des trucs utiles je pense, voilà. Donc là je suis intervenu et je me suis dénoncé pour Chloé, vous pouvez voir. Après il y en a d'autres mais ça c'est des petits trucs de merde, mettez pause, hein, vous pouvez regarder. Et voilà, donc on va être go pour l'épisode 2 Out of Time. Et oui, pas mal d'épisodes là-dessus. Je sais pas du tout combien d'épisodes ça va prendre. De parties. Faut vraiment que j'arrête de me tromper là-dessus. Bref, on est parti pour l'épisode 2, partie 1. Dortoir des filles. Here we go. Previous episode of Life is Strange. Get away from me, psycho! No! Whoa! What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Donc voilà, on a eu un court passage de ce que j'ai fait, enfin de ce qui s'est passé dans l'épisode 1, pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, bref. Moi j'ai pas eu le son des personnes qui ont envie de parler, parce qu'ils ont l'habitude de parler anglais avec les sous-titres français, donc je sais pas si vous l'avez entendu. Bon, moi c'est un petit bug en fait, j'ai mis exprès le fauteuil pour pas qu'il y ait un écho, parce que je crois que dans le premier il y avait un écho, donc j'ai mis le fauteuil. Voilà. Allez, on est parti pour l'épisode 2 sans envoyer du jour les gars, parce que là, évidemment je connais un petit peu les bails. Allez, c'est parti. Profitez. Let's go.
Et le poussin pillou, où est le poussin pillou, le poussin pillou, le poussin pillou. On a capté direct. Pardon. Donc moi je l'entends pas quand elle parle, ça c'est un petit peu chiant. Alors, tant que vous vous entendez, hein, c'est bien pour vous. Oh, hello zombie face. This is what happens when you research quantum physics. Ah, je crois que j'entends, mais c'est moins fort dans mon fauteuil, je sais pas, bref. J'y vais mettre, ok, pour le petit-déj, Mad Max, t'es là, pour toi, toujours, je te l'ai dit, pas d'émoji. Rendez-vous au dîner dans 40 minutes, j'y serai. Sois pas en retard, ou ça voudrait dire que tu contrôles pas le temps. Te défonce pas comme dans ma chambre, j'arrive, je te hais, t'as 40 minutes, dépêche. Ouais, je crois qu'elle parle, mais en fait, j'ai vraiment la musique dans le fauteuil, donc je n'entends pas quand elle parle normalement. Non, bref, vous devez l'entendre. Nous allons voir l'emploi du temps. Mrs. Hoyt is still out sick. Vous pouvez voir, elle mettait pause, hein, évidemment. Comme d'habitude, vous connaissez le bail. Hop là. Voilà. À faire de douche, évidemment. Ok, Max, let's hit the showers now. Petite montre magique. I wonder if I'll ever wear a watch again. Okay. Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall I be ses vêtements, ça je m'en rappelle pas. La guitare. Meanwhile, my guitar gently sleeps. Allez, avec sa petite musique de fond, un petit morceau de guitare, hein, pour venir. Soyons fous. Nous, on accompagne évidemment la musique. Voilà cette musique. Concert aux professionnels à Blackwell Academy. Allez voir dès maintenant, réservé dans les salles en mai 2015. À partir du 10 mai 2015, voilà. J'invente totalement. Bref. Allez, on pose ça. Ok. Bonjour. Ouf, now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Ok. La plante, faut l'arroser. Ça, j'ai jamais compris, vous allez voir. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu dans l'épisode 1. On met de l'eau à la plante et cette action aura des conséquences. D'accord, c'est plutôt bizarre, mais bon. Good morning, Lisa. Bonjour Lisa, tes feuilles sont fabuleuses aujourd'hui, au moins j'ai la main verte. Allez, c'est parti, on s'en va, attends, je déconne. C'était tellement nul quand même. Prendre un selfie, on peut reprendre un selfie, ça je savais pas. Ah, pas mal. Je sais pas si... Non. On regarde la photo. Va saisir ce moment totalement mémorable. Ok, on va aller sur l'ordinateur. Warren is blowing up my inbox now. Mettez pause, évidemment, moi je l'ai déjà lu. This is so insane, it sounds logical. Ah, j'entends en fond dans mon fauteuil qu'elle parle, en fait, donc vous, normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Que, évidemment, on mettez pause, comme d'habitude, il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur quoi, sinon vous ne comprenez pas du tout un mot en anglais. How I can do what no scientist et non, ever has. Donc mettez pause aussi pour pouvoir bien voir la page. I would say this is some crazy shit, but évidemment. Now I'm not so certain. Donc c'est un petit peu des personnes qui cherchent toujours à... Je pense que elle regardait des sites où c'était des scientifiques qui cherchaient à avoir le pouvoir de remonter le temps, et elle, dans le plus grand des cas, elle a le pouvoir. Donc voilà, toujours mettez en pause, ça fait vous plaisir à lire. Et si vous aimez pas, ben vous lisez pas, tout simplement. Et à tous ces livres. Mais est-ce que j'y trouverai une explication à mon pouvoir? Non, pas obligé. À ça, je crois que je vais montrer de Max à Seattle avec son père. Max est revenu d'un match de hockey, je pense. Et Max avec Kristen et Fernando à Fremont Troll. Hey Troll, c'est chez moi! Allez, salut! Ok, Hamilton, ok, grand maître. Écoutez. Allez, c'est reparti! Vous aimez cette musique, hein, les gars, vous aussi. En fait, ils mettent vraiment ce début à cœur. Parce que, en ce moment-là, c'est tous les deux
ou trois mois qui font le, enfin 3 ou 4 mois pardon, où ils font un nouvel épisode. Donc c'est un peu normal qu'ils lancent aussi bien la musique. Enfin, je sais pas si vous l'avez trouvé pareil que moi, ils lancent bien le jeu en mettant une bonne musique. Et ils envoient du steak quand même. Attends, on peut le réutiliser. Wow. Non, face de vos zombies, bonjour. Et ça, je l'ai déjà fait. Ok. Lire. Ah oui, mais ça c'est le journal, d'accord. Hein. Attends, pour voir. Not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tasks and papers this afternoon. I'm so honored to consider it done. Ça c'est la musique. Ça envoie un petit peu aussi. Oh là là, ils sont sérieux. On est face directe. Ils sont vraiment pas gentils avec Kate, hein, franchement. On ira frapper un petit peu après. Hein. Pas besoin d'être un zombie, il y a un moment pour les réseaux sociaux, ne passez pas à côté de la vie. Un message de la Fondation Claire Herd. Ok. Évidemment, on a une demi-heure. One quick rewind and I could stop this TK attack. Attaque de PQ. Attends. On va monter le temps. Voilà. Ah non, c'est pas du tout ça en fait. Ah, bonjour. Attends, je vais la prévenir. Can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Ça fait quand même deux fois qu'on l'a sauvé. Oh, now that was close. Thank you, Max. Ok. Bon, attendez, on va re-effacer parce que... Ouais. What? Attendez, quoi? Attendez. Ah non, je pensais que panneau d'affichage, genre t'appuyais sur rond et ça faisait un truc en fait. Non, pas du tout. D'accord, attends pour moi. Je crois qu'elle est pas là normalement. Kate is an ouais, elle est pas encore là. She might be up and gone. Ouais, elle est peut-être déjà partie. Moi je sais où elle est déjà. Ok. Ça va, c'est la fête chez toi, au calme. This is both sad. C'est à la fois triste et pathétique. Ok. Salut Dana. I've never seen Dana this bouncy and happy without a pot of coffee. T'es déjà excité sans le café, toi, putain. Hi Dana, how are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Me too. I know it's good to just talk about this stuff. Ah, les photos, you're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Mais pourquoi pas? Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Ok. Des pilules contraceptives, évidemment. Look at all this makeup. Parce que ça veut dire c'est qu'elle est peut-être enceinte. Dana knows how to bon là, je pense qu'elle va vraiment profiter de sa vie à fond, parce que je pense qu'elle doit être enceinte. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud. That would be fun to put skulls. Comme des pauses à chaque fois. Je crois que celui-là on l'a déjà vu. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Non, quand on fait un petit peu le tour de la chambre, on va ça. I can't even imagine what life would be like being a chick. Dana takes her Blackwell donc elle est vraiment voilà, son rôle de Blackwell très au sérieux. Vive les Bigfoot. Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Les affaires. That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party. Le papier on a vu. Les vestes des Trevor, oui, c'est vraiment installé. Bref les gars, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire comme d'habitude. Je vous fais tout simplement des gros bisous. C'est parti pour la partie 2 de ma part. Je vous dis tout simplement à plus tard tout le monde. Ciao.